parler de la Libye. De la Libye en 2011. La Libye, à ce moment-là, était composée de diverses tribus qui s'entendaient qu'un à qu'un grâce à la poigne de Kadhafi. Alors, comment arriver à Tripoli? L'avion, c'est complètement impossible maintenant. Il faut passer par la Tunisie. Je prends une voiture de Sfax et j'arrive à la frontière libyenne. Là, des réfugiés de toutes parts. Les dernières centaines de mètres avant la frontière libyenne. Ici, en Tunisie, se pressent plus de 20 000 réfugiés venant de toute l'Afrique. Ils ont fui les combats et les bombardements. Quand nous arrivons au poste frontière, toujours autant de monde se presse vers la Tunisie, qui, pour beaucoup, est devenue la terre promise. Enfin, j'arrive à Tripoli. Les services de sécurité vous mettent d'office dans un hôtel. Donc on ne peut pas filmer librement, on est toujours sous le diktat d'un guide, entre guillemets. Et donc ça, c'est un vrai, vrai problème. Et là, on me dit, écoutez, vous pouvez visiter un hôpital. Ça ne m'intéresse pas trop parce que je sais très bien que la propagande du guide libyen est toujours derrière ça. Donc, pour marquer ma désapprobation, je laisse ma caméra à l'hôtel. Donc, j'arrive dans le grand hôpital de Tripoli et boum, une explosion très violente. Moi, je me précipite dehors et je vois une colonne de fumée à 60 mètres de moi. Qu'est-ce que je fais? Je sors mon iPhone. C'est un iPhone 4, donc pas terrible du tout. Et je commence à filmer. Et derrière moi, une femme éclate en sanglots. C'est une infirmière. 9 h, un missile tombe à proximité de l'hôpital central. Oui, maintenant c'est un grand problème. On dort à 2 h de nuit, à 1 h de matin, à 4 h de nuit. Chaque fois, il frappe. Chaque fois. Maintenant, il n'a pas de médicaments, il n'a pas de mangiarienne, pas le lait pour les bébés. Oui. Tout, il manque l'essence. Le gaz, le pain, Oui. beaucoup de choses, il nous manque. En effet, la Libye subit des restrictions épouvantables. Ils n'ont plus rien. Tous les bateaux de médicaments qui essayent d'arriver sont coulés. Du toit de l'hôtel, je fais des plans. C'est la seule chose que je peux faire. Je peux pas sortir. À la tombée de la nuit, d'un seul coup, un éclair. En effet, l'OTAN, sous l'impulsion du président Sarkozy, a décidé de frapper Tripoli. Moi, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas possible. Les images sont trop fortes, il faut que je tourne. Donc, nous approchons du port. Je cours vers les bateaux qui s'embrasent. À une centaine de mètres de là, une explosion. Oh.
I can't hold it for you. No. I listen. You must have. Des ambulances arrivent, essayent de prendre des blessés, des morts. Moi, je vois pas grand-chose. Mais je me rapproche encore un peu plus des incendies et des bateaux qui flambent. C'est un bateau de garde-côte. S'il vous plaît, ne mettez pas de garde. They push on that full time. You can make one baby. For you. For safety for you. We are safe for you, hey. À ce moment-là, des camions de pompiers s'approchent. Pas trop près, hein. Puis, on commence à déployer des tuyaux et des pompiers se déploient. Mais le problème... Ces pompiers essayent d'attaquer l'incendie. Ils tirent des lances à eau. Celles-ci sont trouées. Rien ne marche. Tout est à l'image de ce régime qui s'écroule. Plus rien ne marche. La révolution du 1er octobre de Kadhafi est une révolution populaire. Je ne crois qu'en Dieu, Kadhafi et la Libye. Un des pompiers me voit et il voit les caméras. Il se rend certainement compte du ridicule de la chose. Dans un réflexe, il clame sa fidélité pour Kadhafi. Come here. It's very dangerous on you. You understand? Okay. You're very dangerous. And I need to end and go out. 5 minutes, second. Okay. Fahamta. Alors, il faut vous dire quelque chose, c'est que personne ne s'est approché d'aussi près des bombardements de l'OTAN. Personne. C'était, d'après un rédacteur en chef d'Arte, des images exceptionnelles. Bon, à très bientôt pour un autre récit, et n'oubliez pas, abonnez-vous. À bientôt. Au revoir. Thank you.